J'ai suivi un coup dès le début en espérant qu'il y ait plus de mecs, mais on n'était que deux. Ouais, c'était la seule, on va dire, un peu journée où il y avait sûrement un coup à faire, où il y avait, où j'avais aussi de la liberté et ma carte à jouer, parce qu'il y a un gros collectif chez AG2R Citroën. Donc, quoi qu'il arrive, je voulais tenter ma chance. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas, comme je le disais au départ, les différentes courses qu'il va y avoir. Donc, en ayant des bonnes jambes, c'était le seul moyen de faire peut-être un truc, mais voilà, devant, on a géré la journée plutôt très facilement, il y avait beaucoup de vent, donc on n'a jamais roulé très vite et on a décidé du peloton, le peloton a décidé de notre sort. Donc derrière, j'ai glané quelques points pour le maillot de meilleur grimpeur et pris quelques bonifs. Ça permet d'être placé au général et d'avoir demain sur une étape qui s'annonce très difficile, la voiture plutôt bien placée au cas où avec la pluie, tout ça. C'est jamais quelque chose de négatif si demain l'arrivée me convient bien aussi. Avec les bonifs, on ne sait jamais. Donc, c'est une journée très positive, tout simplement.